Coop. Ça va, Dinard ? Oui. C'est marrant, le courrier. On reçoit souvent du courrier, tous. Et alors, on donne souvent nos noms, nos adresses, nos contacts, et on reçoit une tonne de courriers, de papiers, de pubs, en tout genre. Moi le premier. Et alors, à force de recevoir une tonne de courriers, ben, on empile le courrier comme ça. Grosse pile à la maison. Et ben, quand du coup on reçoit un courrier important, il est perdu au milieu. Voilà, merci beaucoup. C'est tout pour moi. C'est Simon Astier, merci. Simon, je peux juste savoir, toutes les petites impros que tu nous as faites, c'était quoi en fait? Ah, c'est pas des impros. C'est-à-dire? C'est mon one. Pardon? C'est mon one, mec. Je fais du one. Et donc, one man. Mais c'était pourquoi tu as décidé? Parce que tu avais une belle carrière Ouais, mais en fait, je me suis dit, en venant ici, parce que moi je suis arrivé qu'aujourd'hui en plus. Ouais. J'ai pas profité de l'hôtel gratuit, des machins avant. Ouais. Je suis arrivé que là parce que qu'est-ce que je faisais? Con que je suis, je bossais, mon gars. Ah oui. J'écrivais des scénarios. Ouais. Et aujourd'hui, j'arrive avec le constat que la fiction, c'est fini. C'est de la merde. Je vais faire comme vous, là. Je vais me pointer dans les festivals avec 2-3 conneries écrites sur mon slip qui est bleu et sur mes chaussures qui sentent la moule. Ouais. Et je vais faire comme vous, là, tous les connards qui viennent comme ça. Hein, ouais. Comme ça, juste avec vos petites gueules, là, vos petites gueules de mecs bien coiffés, vos petites pompes un peu chères, là, tu vois. Et puis balancer des vannes comme ça, je vais faire comme vous. Voilà, c'est fini pour moi. Et donc là, tu as présenté des extraits de ton spectacle? Ouais, je pars en tournée avec, ouais. Ok. À l'américaine. En fait, c'est un peu ce qu'on m'a dit, c'est que le stand-up, c'est pas mal de donner 2-3 conseils sur, sur l'humour. L'humour, c'est. Il faut que ce soit ciselé. Ouais. C'est tout? Tout pour moi. Merci beaucoup. Okay, mais c'est Simon Astier. Merci Simon. Merci beaucoup. Je voudrais. Simon. En fait, je voudrais. On va terminer cette soirée un petit peu sur quelque chose qui va allier un petit peu la curiosité, le rire et la chanson. Parce que, et le stand-up également. Parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y a toujours des chansons qu'on chante chez soi. Oui. Des belles chansons populaires. Qu'on chante chez soi. Des jolis airs qu'on chante sous la douche. Et il y a un moment venu. C'est dur à dire, hein. Ouais. Il y a toujours un moment venu dans ces fameuses chansons très populaires. Un moment venu. Où la tonalité n'est plus acceptable pour notre voix, en fait. C'est-à-dire qu'on prend un plaisir dingue à chanter tous les 3/4 de la chanson. Et il y a un moment donné, on se retrouve comme un con avec nos limites vocales à se dire « Oui, c'est vrai, je ne suis pas chanteur, je n'y arriverai pas. » Et c'est ça qu'on appelle chanter sous sa douche, c'est se permettre donc, de chanter sous sa douche. Permettre ses limites vocales. Eh bien, je voudrais apporter pour conclure ce spectacle la démonstration de ceci en vous interprétant avec mes camarades pour faire une belle image de fin, la chanson « Je te promets » de Johnny Hallyday, écrite par Jean-Jacques Goldman. Et vous verrez que cette chanson... très jolie, que vous allez même pouvoir également chanter. Vous verrez qu'à un moment donné, vers la fin de la chanson, on est tous face à notre limite vocale et on ne peut pas aller chercher la note. Nous, non, et pourtant, on aimerait bien parce qu'on adore, je te promets. On adore, je te promets, de Johnny. Oui, on tolère, bien sûr. Mais c'est pas possible. Alors, pour ceux qui trouvent que les 3/4 de la chanson, au début, c'est long, comme mes explications, vraiment délectez-vous de la démonstration finale que je viens d'expliquer. Délecté, oui. Pas sûr qu'ils aient. Ouais, non. Tout le monde. Et test, check, test, check, micro. Check, microphone. Vous allez voir, c'est une chanson sublime. Bam, bam, test, tac, tac. Je te promets le ciel au baiser de ma bouche. Je te promets le miel à ma main qui te touche. Je te promets le ciel au-dessus de ta couche. Des fleurs et des dentelles pour que tes nuits soient douces. Je te promets les clés des secrets de mon âme. Je te promets la vie de mes rires à mes larmes. Je te promets le feu à la place des âmes. Je ne veux jamais des adieux, rien que des au revoir. J'y crois comme à la terre, j'y crois comme au soleil. J'y crois comme un enfant, comme on peut croire au ciel. J'y crois
crois comme à ta peau, à tes bras qui me serrent. Je te promets une histoire différente des autres. J'ai tant besoin d'y croire encore. C'est pas là. Je te promets des jours doubles comme tes veines. Je te promets des nuits rouges comme tes rêves. Des heures incandescentes et des minutes blanches. Des secondes insouciantes au rythme de tes hanches. Je te promets mes bras pour porter tes angoisses. Je te promets mes mains pour que tu les embrasses. Je te promets mes yeux si tu ne peux plus voir. Je te promets d'être heureux si tu n'as plus d'espoir. J'y crois comme à la terre, j'y crois comme au soleil. J'y crois comme un enfant, comme on peut croire au ciel. J'y crois comme à ta peau, à tes bras qui me serrent. Je te promets une histoire différente des autres. Si tu m'aides à y croire encore, là ça va se compliquer. Et même si c'est pas vrai, si on te l'a trop fait. Les mots sont usés comme écrits à la craie. On fait bien des grands feux en frottant des cailloux. Peut-être avec le temps, à la force d'y croire, on peut juste essayer pour voir. Et même si c'est pas vrai, même si je mens, si les mots sont usés, légers comme du vent. Et même si notre histoire se termine. Voilà, c'est là. On ne peut pas. Merci. On ne peut pas. Vous l'aviez pas. Pardon, moi je l'avais. Hein. Vous l'aviez pas. Non, nous ne l'avions pas. Non, je l'avais moi. Alors, moi je l'avais aussi moi. Moi j'avais un semblant. Toi. Ah moi je l'avais bien. Alors attends, si on reprend, juste François alors peut-être. Et même si non. Non, voilà, tu vois. Là, on a tout ce qui est nodules, cancer des cordes vocales. On reste plus sur cette image-là. Peut-être Jérémy, toi. Et même si ouais, voilà, c'est... voilà, c'est ça. En fait, on a vraiment une note à aller chercher dans la même tonalité. Ouais, qu'on a peut-être pas. Alors, Simon, peut-être. Et même si c'est pas vrai, si je mens. Non. Ça s'appelle une voix de tête. Non, ça s'appelle une voix de con, je t'assure. Refais-la parce que. Attends. Fermez tous les yeux et imaginez un dessin animé à 7h le matin. Et là on a la petite cafetière qui arrive et qui chante Johnny Hallyday. Mais tu veux que je dise les mots quand même ou juste le son? Oui, tu dis juste les mots. Imaginez, fermez les yeux, la petite cafetière qui arrive et qui chante et fermez les yeux. Et même si c'est pas vrai. Voilà, on a ça. Voilà, on est là-dessus. Ah ouais. C'est fou, hein. Ah, c'est fou, hein. Tu l'as pas essayé? Moi, je l'ai pas essayé, mais je l'ai pas non plus. Il faudrait. Je l'ai, moi, je l'ai. Quand je me le fais dans mon coin, je l'ai bien. Eh ben, fais-le. Et même... je l'ai là. C'est là que je l'ai pas. Fais-le là-bas. Ouais. C'est une question de géographie. En même temps, s'il reste des tomates aux gens dans les mains, on va peut-être pas... Vraiment, il y a un truc qui est dommage. Et ça, alors on va conclure là-dessus, sur cette réflexion-là. C'est que ce qui est vraiment dommage. C'est qu'on n'ait pas l'aide de quelqu'un qui sache chanter. Oh, et, ouais. Et ça, c'est dommage parce qu'il aurait fallu dans la salle. Et ouais, il aurait fallu qu'il y ait dans la salle quelqu'un. Voilà, quelqu'un avec une voix incroyable. Marianne James. Hein? Marianne James. C'est dommage. Daniel Prévost. Marianne James. Ah oui. Ah, mais c'est vrai qu'on a Marianne. Oh, Marianne James est là. Oh, Marianne, est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, nous montrer ce que c'est? Fais péter. Viens, Marianne. Viens, Marianne. Fais péter ta voix de crécelle. Et nous allons chanter cette chanson en Ave Marianne. Je vous adore. Marianne. Oui, mais j'ai pas mes lunettes. Oh. Ah, elle ne peut pas nous faire ça. C'est « Et même si c'est pas vrai ». Alors, on va reprendre avant, ouais. J'y crois comme à la terre, j'y crois comme au soleil. J'y crois comme un enfant, comme on peut croire au ciel. J'y crois comme à ta peau, à tes bras qui me serrent. Je te promets une histoire différente des autres. Si tu m'aides à y croire encore. Et même si c'est pas vrai, si on te l'a trop fait, si les mots sont usés comme écrits à la craie, on fait bien des grands feux en frottant des cailloux. Peut-être avec le temps, à la force d'y croire, on peut juste essayer pour voir.
Et même si c'est pas vrai, même si je mens, si les mots sont usés, les éclats du vent. Ah bah alors attendez, on a un autre problème. Passez-moi les lunettes, passez-moi quelque chose. Ah c'est une histoire, de vue. Est-ce qu'on a un prof de myopie? Ah bah voilà. C'est vraiment genre. C'est juste ça, Marianne? À la menteuse. Ça va ou pas? Ça va mieux là ou pas? Ok, c'est bon. Alors, on reprend la tonalité. Ferme ma lunette. Et on reprend à quel endroit? Parce qu'on a pris vachement haut là. Ouais, on a pris vachement haut. Ah oui, mais en même temps. Je te promets une histoire différente des autres. Si tu m'aides à y croire encore. Et même si c'est pas vrai, si on te l'a trop fait. Si les mots sont usés comme écrit à la craie, on fait bien des grands feux en frottant des cailloux. Peut-être avec le temps, à la force d'y croire, on peut juste essayer pour voir. Et même si c'est pas vrai, même si je mens, si les mots sont usés, légers comme du vent. Et même si notre histoire se termine au matin, je te promets un moment de fièvre et de douceur. Ah oui, mais... Pas toute la nuit, mais quelques heures. Oh. Ah, ouais. Oh, quelques heures. Allez, Ben. Alors. Même si... Voilà. C'est magnifique. Ça, c'est une boîte tête. Ça, magnifique. Ça, c'est une boîte tête. C'est énorme, mais c'est magnifique. Et vous voyez ce que c'est que l'expérience d'une grande chanteuse, en fait. C'est pas aller chercher la note aiguë, c'est tout simplement de commencer la chanson sur l'octave du dessous, en fait. C'est ça. C'est dégueulasse.